Salut tout le monde, à un autre épisode de Chile chez Boulet. Je reçois Jean-Michel Leblanc aujourd'hui. Je suis bien content. On, tu viens d'arriver, on se parle déjà comme si on était chum. Puis, euh, Jean-Michel, tu as plein d'affaires qui se passent dans, dans ta vie. Euh, je pourrais t'envoyer, commencer cette discussion-là dans plein de directions, mais je vais te blindsider. Je me sens venu en écoutant ta musique. Ta <laughs> musique country. <laughs> hey, mais je trippe! trip. C'est vrai, puis tu es bon. Mais ça un petit peu plus proche, ouais. juste pour être sûr. Là. Euh, j'ai écouté Lucky Star, mm -hmm. j'ai écouté Disaster, j'en ai écouté un autre. J'ai accroché sur Lucky Star puis Disaster. Parle-moi de ton rapport avec la musique country. C'est deux grands classiques, bravo, je t'aime. Ouais. <laughs> euh, je te dirais que la musique country, j'ai toujours aimé ça. Euh, depuis que j'ai comme 5-6 ans, j'écoutais Garth Brooks pendant que je jouais au mini basketball dans mon sous-sol. Country music, basketball, c'est fucking weird, on oui, va se dire. Là, <laughs> mais comme, pour moi, il y avait comme une relation entre l'espèce de um, côté triste, sombre, en même temps le côté mélodique de la musique de Garth Brooks, qui est comme un des plus grands, en ouais. fait, um, qui, est toujours, qui, est, qui est venu me chercher à un, un très jeune âge. Puis uh, tout, tout le côté comme équestre, rodéo, équitation, c'est espèce de côté genre... Um, à, à cette époque-là, c'était le côté genre rough, wild and free, là, mm -hmm. euh, qui venait vraiment me chercher. Tu sais, je faisais beaucoup d'équitation à toutes les, ah les ouais, étés okay. aussi, comme je faisais des petits radios avec... T'sais, es jeune, es même, tu sais, quand t'es jeune, t'es haut de même, comme tu grimpes sous des moutons, tu t'agrippes après la, 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 la peau, puis quand même, tu y vas, tu sais. Parce que t'as-tu grandi t'sais, sur un... Non, vraiment sur... pas, mais comme je viens de Québec, mais comme d'un... Je te dirais... Euh, euh, je veux dire... Euh, à Québec, là, tout est tout est rough, mm -hmm. je veux dire, euh, si, si tu viens de Québec, là, es proche d'un bois, là, ou t'es proche d'un ranch, mm -hmm. c'est sûr et certain. Fait que, tu je me rappelle que j'étais j'étais pas nécessairement un enfant de cœur, fait que mes parents ils voulaient comme m'envoyer dans des camps le plus possible quand j'étais ouais. jeune. Ça ouais, dépenser ton énergie. Ouais, et puis comme aussi savoir un break, j'imagine. Fait que, euh, une affaire dès un très jeune âge, c'était vraiment l'équitation. Fait que, genre des deux trois semaines, c'était pas des packages qui vendaient, mais ils ouais, ouais. comme, on va on peut-tu en avoir un autre? Ils sont comme, oh Non, mais une semaine pas passée, ils sont comme Non, mais on va en faire trois en ligne. Ouais. <laughs> J'étais comme c'est beau là. tu as trippé là-dessus sur. Fait que tu t'es identifié à, à cette musique-là, le volet accessible, le volet euh, équestre. Puis à un moment, donné, tu t'es mis en enfer. Oui. Je te dirais que moi j'ai. je gravite autour de la musique depuis que j'ai comme 12 ans facile. Mon, mon voisin dans l'arrière m'a donné mes, mes premiers cours de guitare comme à l'arrache, un peu comme un mardi après-midi, euh, comme 7 piastres d'heure là <laughs> Puis euh, ça a été comme un, un coup de foudre instantané. Je pense que je suis un gars qui, est, euh, qui va laisser tomber quelque chose vraiment rapidement quand je sais que je ne suis pas bon, okay. comme tout de suite. J'ai aucune patience. Vraiment. Mais quand que. Tu sais, je assez smart pour savoir que quand il y a quelque chose que je suis comme Ah, oh, ça, je peux développer là-dessus mm -hmm. ou je pense qu'il y a certains talents-là, ça, je l'ai eu vraiment jeune, tu sais. Ouais. Euh, je me suis dit que Oh, tu sais, il me semble que j'ai l'ai appris vite, cette guitare-là. Il me semble que cette tune là ça a été quand même assez facile. Fait que, ça a été vraiment le fun pour moi rapidement d'apprendre à jouer de la guitare. Puis j'étais un grand sentimental, un grand romantique. Puis comme. Tu allais chercher ça, là. Vraiment. Puis tu sais, genre, j'ai une soeur plus vieille que moi de comme 3 ans, puis tu sais. Toutes ses classiques à elle, tout son genre de background musical. Moi, dans le fond, ce que je suis aujourd'hui, c'est. toujours ta soeur plus grande. Fait que, genre le loup, fucking Matchbox 20, Wallflowers, whatever, tu sais. Puis, euh, à un moment donné, moi, j'ai juste comme viré country. Puis, j'ai perdu ça après un bout. Tu comme à un moment donné, t'es ado, puis, tu c'est ouais. fucking pas cool euh, d'écouter du country. Fait qu'on <laughs> écoutait du gros rap, et tout ça. Puis, je te dirais que euh, depuis euh, un bon 6-7 euh, ans, là, depuis que. Je me suis retrouvé vraiment plus comme um, à travailler en région depuis que j'ai pogné un chalet, depuis que j'ai des chums de Bruxelles ouais. euh, Je te dirais que ça revient naturellement. Puis durant la pandémie, ben c'est ça. On... J'étais tellement bored mon gars. J'étais tellement comme. Um, j'avais plus rien à faire. Puis j'étais ouais, vraiment ça triste. Ouais, ça. Je pense que c'est ça. J'étais vraiment. Tel... J'étais en crise, puis j'étais triste de d'avoir rien à faire mmh. parce que je pouvais rien faire. Fait que j'étais ultra comme dépourvu. Euh, de moyens de, de m'extériorer moyen de de, de okay. dans, soit dans ma, dans ma passion qui est comme la cuisine, mon métier aussi mais la musique, j'avais laissé tomber ça pendant au moins 10, 12, 15 ans facile, je me rappelle d'avoir comme dépoussiéré la guit là uh. la fucking vieille git puis j'étais comme wow, uh, do I still got it puis ça a pris euh, 15 minutes là puis je te jure man, j'en ai, ai des frissons là je pleurais. J'ai comme drapé ma guide puis je suis allé dans la chambre de bain, puis j'étais comme... Je suis vraiment un esti de cave, de pas. En fait, j'ai l'impression d'avoir vécu en dessous d'une roche pendant 10 ans. Ça vient tellement me chercher de jouer de la musique. C'est ouais. tellement comme profond en moi que je sais pas pourquoi je laisse toujours tomber la musique. Tu sais, comme même encore là, là, ça fait des mois que j'en ai pas joué. Puis je t'en parle, puis ça me donne une émotion, parce je suis comme « Pourquoi? » Mm -hmm. c'est bizarre je te comprends la vie va tu sais des fois la, la, la vie avance t'as tes projets es, ça, es parti pendant une couple de semaines aussi à sortir moi d'ici tu reviens tout le monde veut te parler ouais. mais tu es bon man je te dis j'ai écouté ça c'est mélodieux je suis pas un expert mais tu c'est mélodieux c'est rythmé c'est smooth. t'as écouté ouais. je trouve que ça s'écoute bien à, à tout moment fait que, allez voir ça ton nom d'artiste c'est John Leblond John Leblond baby John Leblond chante euh, en anglais hein, cest naturellement ben en fait moi je suis j'ai j'ai fait toute mon primaire en anglais, la moitié de mon secondaire. Puis à un moment donné, quand il n'y avait plus d'école euh, qui me voulait euh, à Québec, en anglais, les seules écoles disponibles, c'était en français. Fait que j'étais dans une polyvalente. Mais toute ma scolarité, je l'aurais faite en anglais. Parce que, ben oui, on vient de Québec, mais ma mère est anglophone. Fait qu'on a eu la chance, moi, ma soeur, de, de venir de ce background-là, thank God. Euh, mais moi, j'ai toujours... Je, oui, je suis bilingue. Je suis 100 ma, 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 ma langue maternelle, c'est le français, mais comme... Je pense en anglais, je rêve en anglais, je m'exprime fucking mieux en anglais. Mm -hmm. Mais en même temps, tu sais comme mon day to day, mes chums, qui je vrai. suis, c'est français. Tu sais. ouais, ouais. Fait que je suis comme vraiment pas bon en français, puis je suis vraiment pas bon en anglais. <laughs> c'est pour ça que tu sais quand je parle, je parle vraiment fucking franglais parce que ouais. pour vraiment être capable de, de dire ce que je veux, ça prend ça. Sinon comme ça me gosse parce qu'on dirait que j'arrive pas à bout de ce que je veux vraiment ouais. dire, tu sais. J'étais ben, à la même place, mon gars. D'ailleurs, c'est... Euh, il y a Marc-Antoine qui est pas loin, mais quand il faut qu'il gère les plaintes, c'est souvent des plaintes parce que j'utilise beaucoup d'anglicisme. Mais oh, tu sais, wow. moi, j'ai. On est désolé C'est ben, ouais, ça, il va en avoir pas mal. Euh, j'ai fait mon secondaire 5, moi, au, au Québec, en français. Puis après ça, j'ai déménagé aux États-Unis. Mm. Puis j'ai fait les... Huit années suivantes aux States. T'sais, fait que euh, moi aussi, quand je revenais, surtout au début, c'était. Là, tu rêves en français, tu rêves en anglais, mm. t'es tout mêlé dans ta diction. Tu parles, au lieu de dire ton genou, ton nid, ton j'étais mêlé. Puis aujourd'hui, c'est resté. Puis même à ça, quand je suis revenu aux Alouettes, euh, même à Toronto, je dis le foot, c'est en anglais. Il y, y a une coupe de Québécois dans l'équipe, mais les, les coachs sont américains, sont, sont canadiens-anglais, où ils s'expriment pour que l'équipe au complet comprenne. Je suis mais... à la même place que toi au niveau, mm. de, au niveau du, euh, du langage. Fait que, dans le fond, ce que j'ai écouté en m'en venant, tu as tout pondu ça en pandémie, as ça, t as, t as tu as writé ça, tu as-tu eu de l'aide, tu t'es autoproduit? Honnêtement, euh, c'était vraiment euh, très amateur. <laughs> c'est vraiment. Ben, ça on pas... était deux, tu sais. Moi, j'ai écrit toutes les tunes. Euh, j'ai un chum, euh, Jeff, qui est comme mon chum d'enfance, qui, lui, euh, est un, un gars comme plein de passion. Il, il est vraiment bon dans plein d'affaires, dont la musique. Mm -hmm. euh, lui puis un autre de mes chums, il y avait un, un groupe euh, qui s'appelait <laughs> Bravo à l'époque. Je veux dire, mais on gravite autour de la télé, nous autres, la web, la web télé, la musique, tout ce monde-là. C'est un mon, noyau d'amis-là. C'est vraiment ça, le core, mm -hmm. Fait que euh, je me rappelle, il, il dit, «Garde, c'est bon.» t'sais, je fais juste comme, je grattais, je grattais, puis j'ai envoyé ça sur son téléphone. Il dit, «C'est vraiment bon. Il me semble que, tu ça prend Faudrait un la, package, la, la un peu, là. Puis lui, c'est vraiment un, un maître de cérémonie dans tout ce qu'il fait, là, t'sais. fait que, puis je pense qu'il est très posé, puis il est très créatif. Fait qu'il était capable de, comme, amener mes tunes, puis faire comme un wrap-up. Parce que moi, tu sais, si c'était juste de moi, ça n'arrêtait pas, là. Ouais. c'était comme des tunes de 12 <laughs> minutes, il était également là. Ça prend un début. Parce que lui, dans le fond, son projet, il voulait absolument nous amener sur Spotify. J'étais comme, t'es un esti de fou. C'est impossible. Ça a l'air compliqué, cette affaire-là. Moi, je veux juste comme écrire ce que je pense sur comme une tune puis let's go. I want to keep on writing, baby. Mm -hmm. J'en ai écrit 12 en comme, je sais pas, 2-3 deux, deux, mois. Moi, j'aime ça écrire, ça me fait du bien. Ouais. Puis, je pense, que je suis bon là-dedans. Puis, on en a choisi 3 des 12. Puis, euh, lui, il mettait comme du piano, whatever, du beat en arrière, c'est fucking nice. Puis euh, on a pratiqué, on a pratiqué, on a loué un garage dans le Mile X à Montréal qui était comme redevenu ouais, ouais. notre local de pratique. On a fait livrer deux. Tu sais, des fucking gros trucks, des dompeurs, là. Ouais. Deux gros trucks de sable pour se faire une espèce de beach club, genre, avec comme l'élévateur le, le, à char, <laughs> dans ben au non. centre des, des lasso là-dedans. D'ailleurs, tu peux voir sur YouTube notre clip, euh, notre vidéo de Lucky Star qui est shootée là-dedans. Ben, voyons-en. Puis euh, ouais, c'est ça, ça c'était débile. Fait fait que ça ça a été ton projet de pandémie, dans le fond. Exact. Fait que les maquettes se sont faites là. Puis après ça, on a contacté un autre chum qui a un studio euh, d'enregistrement euh, à Québec. Puis, euh, puis on a enregistré là une journée de temps. C'était comme short and sweet, mais le gars, il savait ce qu'il faisait, puis il, allait, il savait où il s'en allait. Puis, euh... mais moi, j'adore ça. <laughs> le bien bien. Bien. mais J'adore Pour vrai, je trouve ça cool que... la polyvalence, puis d'avoir de, puis de, le gars tu de, de le faire, parce qu'en vieillissant... Des fois, on se freine, puis euh, tu pas obligé d'avoir une carrière internationale. Tant mieux si ça débloque à ça. Mais, mais si ça te fait du bien à faire, puis ça fait du bien à une couple de personnes qui, qui t'écoutent, déjà là, ton purpose, y est fait. Mais égoïstement, si toi, ça t'aide de writer, si ça t'aide à, à sortir le méchant, si c'est un exutoire, personne n'a rien à dire. Puis mm. là, tu pris ça pour euh, pour le next level. À quel point c'était tough, la pandémie avant, avant d'en arriver là? Je dirais c'était juste long. Pour ouais. moi, c'était long. j'étais chanceux parce que durant la pandémie, j'étais employé et non employeur. Fait que, je l'ai vécu d'un autre d'un autre euh, côté. Ma blonde, euh, elle, elle avait un resto, euh, le gar Manger dans le vieux Montréal, qui est mm -hmm. comme une institution. Eux autres l'ont trouvé fantastique. Mm -hmm. Puis moi, par la bande aussi. T'sais. Fait je te dirais mm -hmm. que je l'ai vécu des deux bords. J'ai vu les deux facettes aussi. Nous autres, c'était comme c'était long, puis c'était aussi l'imprévu. Ça faisait peur. Euh, mais tu sais, étant donné qu'on est au Québec, qu'on est au Canada, on est chanceux, on est essayé d'avoir eu comme les subventions et ouais. comme l'aide qu'on a eue. Euh, on s'en est sorti. Euh, mais tu sais, pas tout le monde qui s'en est sorti. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, tu sais, comme ça fait un an, là, on va célébrer le premier anniversaire de mon nouveau resto de cabinet. Euh, Post-pandémie, on a, on a ouvert un resto. T'sais. Tout le monde était comme Qu'est-ce tu fais Qu'est-ce ouais, qu que tu fais puis, euh, on dirait que j'avais besoin de, de ça. C'était comme un, un exutoire, si on veut. Euh, je sais pas ce que ça veut dire, ce mot-là, mais ça a l'air fucking nice. <laughs> c'est que ça, ça t'aide euh, à sortir le méchant. Exact, estime-moi d'aller est là. <laughs> Puis. Euh, <laughs> euh, en anglais, on peut. Ça, pas ouais, dire. ouais, ça fait sortir le méchant. <laughs> on va dire ça de même. Parfait. Puis, euh, je te dirais qu'aujourd'hui, je regarde ça. Puis, en effet, c'est vraiment ça que ça a fait. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas juste un passion project. Euh, je te dirais que le, le deux ans et demi euh, qu'on a eu. De relaxer, en fait, m'a juste permis de me reposer parce que moi, je suis le genre de gars qui a du gaz à donner puis ça n'arrêtait pas depuis les 10, 15 dernières années de ma mm -hmm. carrière. Là, tu sais. Euh, puis de, de pouvoir, je te dirais, me reposer puis relaxer. Quand je me suis proposé un autre projet, j'étais tellement prêt, ouais. physiquement, mentalement, puis j'avais tout à donner. Fait que, tu sais, aujourd'hui, ça fait un an qu'on est ouvert. Euh, C'est. Tu sais, je, je, je touche du bois, là. Bon, bon, c'est euh, vraiment, comme je te le disais, c'est vraiment ma, ma plus grande, quasiment une de mes plus grandes fiertés de toute ma carrière, d'être capable de dire qu'après un an, le cabinet est en très bonne santé financière, mais aussi, moi, mettons, ma, ma job maintenant, là, mes mes nouvelles, mes nouveaux défis professionnels, c'est d'être le meilleur leader, de tirer dans l'avant et non de fouetter dans l'arrière, d'être capable d'arriver devant mes employés, devant mon équipe. Faire comme... D'être le meilleur pédagogue, je pense. Ouais. Puis tu d'arriver puis de pas... Euh, de pas expect quelque chose, mais de plus faire comme... Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a bâti ensemble cette semaine, tu sais? Mm -hmm. Fait que... Euh... Ouais, puis un bon leader, ça, ça délègue. Un, un ouais. bon leader, ça fait confiance. Un bon leader, ça permet de faire des erreurs parce qu'il y a, y a plein d'apprentissage là-dedans. Mais ce que tu me racontais avant qu'on qu s'assoit, c'est qu'en en, en déjà à peine un an, ça roule sans toi, tu sais. Puis ça... Les, les bons leaders euh, se rendent pas indispensables. Les bons leaders s'organisent pour que la machine roule avec ou sans, ou sans eux. Puis là, t'as as déjà été capable de, de placer ça. Tu sais, t'en vas profiter de quelques jours de congé, Puis le resto va continuer de rouler. Moi, j'ai des chums dans la restauration qui sont là-dedans depuis longtemps. Puis ils n'ont pas encore crack le code là, sur, ouais. sur comment arriver à ça. Ils sont pas pour se présenter à tous les jours. Il y a une fatigue. Euh, physique et émotive qui s'installe là-dedans. Comment t'as fait pour placer tes pions pour que ça, ça fonctionne Ben, regarde, moi le, le, j'ai 36 ans, là, ok. Euh, j'ai pas d'enfant, mais je te dirais que suite à la pandémie, une affaire que je me suis, À un moment donné, je me suis assis, j'ai dit là, c'est quoi mettons, le nouveau, euh, quoi le nouveau euh, short term goal de 5 ans, tu sais. Puis euh, la première affaire, c'est de prendre soin de moi. Parce que depuis les dix dernières années, j'avais pas pris soin de moi, mais pas pendant tout. Quite the opposite. Mm -hmm. Genre pas mal l'inverse. Euh, je brûlais la chandelle euh, avec deux chalumeaux de chaque bord. Là, uh -huh. Puis euh, je te dirais que j'avais envie de comme vivre mon quarantième. D'être là, là tu sais, à ce point-là, mettons. Fait que je me suis dit, garde. Ça, c'est le premier objectif parce que si tu ne prends pas soin de toi, tu ne peux pas prendre soin des autres, de ta femme, de ta famille, de tes, t'sais, ah, okay, tes collègues. Tu aussi, t'sais, t'sais. Exact. Puis tu sais, je veux quand même laisser un legacy derrière moi. Je sens que j'ai quelque chose à donner au monde. Je sens que je suis quelque quelqu'un de, de quelqu différent. Puis euh, j'ai quelque chose à dire. T'sais, puis j'ai quelque chose à faire durant mon temps ici. Mais en même temps, ça ne se fait pas tout seul. Fait mettre tous les pions en place pour être capable d'y arriver, tu Puis euh, ça m'a pris un an, je te dirais, de, de, de mettre ça en place au resto, où c'est que... Puis tu sais, ça n'a pas été facile, là, ça n'a pas été dans la même... C'était un restaurant, anyway, c'est toujours en dentiste, là. Euh, encore une fois, je veux dire, je t'en parle là, mais peut-être que dans deux semaines, tu vas m'appeler, je vais être comme... Euh, cancel euh, <laughs> cette portion-là. <laughs> parce non, que, genre, non, shit ça. has hit the fan. Ça va continuer à bien aller. Non, non mais tu sais, je te dirais que le but maintenant, c'est d'avoir des restaurants parce que tu sais, on, on en bâtit d'autres présentement, d'autres concepts. Puis le but, c'est d'avoir des restaurants qui où, où tu ne deviens pas, mettons, indispensable. Mm -hmm. faut vraiment que chacune des positions dans le resto soit absolument remplaçable. Pas les personnes, mais les positions. Mm -hmm. Dans le sens que Chacun connaît la position de l'autre en haut de lui, en arrière de lui. Fait que tu sais, mettons que okay, moi, tu sais, je me fais frapper par un char dans le matin. Là. Mon sous-chef est capable de faire ma job pendant la prochaine année. Mm -hmm. Tu comprends ce que je veux dire ouais. c'est pas une question d'ego, c'est plus une question d'ego. C'est une question d'être capable d'être que mes collègues puissent continuer à vivre, que mes projets puissent continuer à le vivre. Le projet si moi, passe je pas avant l'individu. Puis c'est la force. Tu sais, je sais que t'as fait du sport extrême ou tu sais, je sais pas si tu as fait des sports d'équipe, mais ouais, beaucoup. Mais tu sais, c'est ça, ça. Ça vient de là. Le dénominateur commun des des équipes qui ont du succès, c'est quand tout le monde a un peu de ownership dans, dans, dans l'équipe. Puis je parle en termes d'implication, en termes d'investissement émotif là-dedans, puis que le projet commun est plus important que ton succès individuel. Mais ça, c'est rare, on dirait, de nos jours. En restauration aussi, tu dans un monde qui. Est, Il y a plein de parallèles avec le sport, là, qui est ultra compétitif. Euh, tu es dans l'action, tu as, euh, as de la je ne vais pas dire compétition, mais tu as comme une pression à l'externe, c'est-à-dire livrer aux clients une expérience extraordinaire. En même temps, tu as toute l'espèce de dynamique d'équipe, de performance à même l'équipe avec toutes sortes de. Je peux imaginer, j'ai jamais travaillé en restaurant, mais dans une équipe de foot, tu as toutes sortes de mono. Tu as des drôles. Il y a des gars dans l'équipe que jamais je serais allé super qu'eux autres en dehors de l'équipe, je ne peux pas les sentir, mais il mm. faut quand même que je travaille avec eux autres, puis je gagne des games avec. Tu as tout ça à à jongler, ça doit être stimulant à ta barouette et à la fois drainant. C'est extrêmement stimulant. Euh, je te dirais que c'était extrêmement drainant. Euh, ça l'est déjà très physiquement, je veux dire, ouais. notre métier, mais pour moi, euh, tu sais, j'ai ouvert mon premier resto à 26 ans. Là. Euh, à ce moment-là, j'étais très immature. Euh, je ne dis pas que je ne conseillerais pas personne d'ouvrir un resto à 26 ans. Au contraire, tu sais, c'est une belle expérience de vie, mais euh, c'est jeune en tabarouette. Tu, sais, tu, tu penses que tu manques de, de tu manques d'expérience de vie puis de définitivement de, de timing. De <laughs> tact ou de. Ouais, vraiment. <laughs> tu sais, de tact. Okay. Euh, dans, dans ce que tu peux dire. Fait que, littéralement, là, mentalement, c'était. C'était drainant parce que je me rappelle, euh, les premiers six mois de mon premier resto, j'avais perdu toutes tout, tout, tout mes employés. Là, oh, Mais comme tout le monde. Il fallu que je fume pendant une semaine pour être capable de trouver d'autres monde pour comme pouvoir réouvrir le resto. Puis là, j'étais comme fuck. T'as comme... pas le choix de te regarder un peu. Ah, c'est clair. J'ai vraiment... Euh, en fait, j'ai pas changé, j'ai pas fait un 180 là parce qu'encore une fois, j'étais vraiment jeune, énorme ego. Mais en même temps, j'ai réalisé quelque chose, euh, Puis aujourd'hui, ben 10 ans après, 10-12 ans après, là, je suis comme... J'ai appris vraiment ben, beaucoup de ces expériences-là. C'est malade. Mais voilà, euh, ouais, c'est euh, très, très, très exigeant, ce qu'on fait. Fait que je te dirais que, en, à la blague, là, des fois, j'extrapole énormément ça, là, ce que je suis sur le bord de te dire, parce que c'est vraiment important de... Pas trop se prendre au sérieux dans ce métier-là. Mais tu sais, souvent, euh, je dis, garde, guys, tu sais, je vois là, mes gars, c'est une cuisine verte, puis sont rouges, puis ils les bons, ils n'arrêtent pas de sortir, puis ils sont juste comme, sont focus, ils sont mind -y. Moi, je suis en arrière, puis comme je fais juste orchestrer, puis je m'assure que tout le monde est heureux, je cherche des poignées de main, euh, on prend ouais. des photos, c'est le fun. En même temps, je m'assure que les plats sont toutes, toutes, toutes têtes. Tout puis là, je m'occupe de la musique. Il fait trop chaud. La personne là-bas, elle, elle veut. Tu, sais, tu comprends? Là, il y a un couteau qui tombe. T'es comme fuck! Et là, <laughs> tout ça arrive dans, je te dirais, en trois secondes. Hein? Puis c'est de même pendant, je te dirais, un shift de dix heures. Mais mets-toi dans cette, dans cette espèce de mindset-là. Ouais, ouais, là, les épaules, là, tu sais, les trapèzes ouais. sont comme constamment mises en, en charge. Là, tu sais, mais tu t'en rends pas compte. T'arrives à la maison où, tu sais, Là, t'es comme... La pression lâche. Wow, tu sais, fait que... Euh, je sais pas où que je voulais en venir là, mais mais je te donnais un gros exemple, là, même. j'avais l'impression que tu te dirigeais vers protéger ton équipe un peu, là. Tu tu regardais ta gang, ils sont tout rouges en cuisine. Exact. Fait que là, l'idée, c'est que je les prends... Tu sais, des fois, j'arrête le service, puis je les amène en arrière dehors, puis je suis comme, guys, vite, vite, là, on n'est pas euh, des chirurgiens, comme on fait on pas de l'opération. Des... Tu sais, on fait asseoir aux gens, là. Mm. Puis juste de dire ça, juste d'avoir comme... Que ça soit moi ou n'importe qui d'autre, mais juste de se faire dire ça par quelqu'un. Tu sais, comme, hey guys, by the way, pas la fin du monde. Ouais. Tu sais, comme, on fait de notre mieux, c'est un travail, c'est une job, tu pourrais être comptable. Tu sais, fais ouais. ta job bien comme comptable, mettons. Mais euh, on sauve pas des vies. Là, ouais. on fait à peu aux gens en ce moment. Do your best, have fun, fuck. Tu sais, du fun à ouais. le faire, fais ton mieux. Puis, comme, à la fin de la journée, ben, si, mettons, ça a mal été, ben, demain, ça va, aller, ça va être peut-être sûrement mieux, ouais, ouais. parce qu'on va avoir appris quelque chose collectivement, tu puis, je te dis que à 36 ans, je pense de même, mais à 6 je pensais pas de même, il y avait <laughs> 10 ans. Mais moi, je trouve ça malade. C'est ça que je veux véhiculer, du je bon pense. C'est bon leadership. Puis, c'est parce que. Faire de son mieux va varier d'une journée à l'autre. Trop en faire, ça le dit, c'est trop. Mm. Tu vas être surmené, c'est pas bon pour l'esprit d'équipe. Puis, d'avoir un leader qui te permet de prendre un petit step back, de regarder à patente dans son ensemble, au lieu d'être pogné dans. Hey, on sauve pas des vies, mm. c'est bon à se faire dire. C'est très très bon à se faire dire. Ouais. Tu mentionnais euh, un petit peu plus tôt que, as, que as eu une enfance où t'étais étais rock and roll un peu, puis j'ai cru comprendre que les écoles euh, anglo t'ont sacré dehors. Ah, Qu'est-ce qui s'est passé euh, Regarde, moi je veux dire mon prochain euh, mon prochain projet de vie, ça va être vraiment de, de m'occuper du bullying euh, dans les écoles, ok Parce que j'ai été vraiment touché par ça quand j'étais jeune. J'étais un kid qui se faisait énormément euh, bully. Euh, Toute mon primaire, la moitié de mon secondaire, puis malheureusement, lorsque je me suis, lorsque j'ai eu l'opportunité de me faire sortir de ça, de cet environnement toxique-là, c'est moi qui est devenu le bully. Mm. Euh, puis je sais que ça a l'air cliché, mais moi ça ça me fait ça m'attriste tellement ce qui s'est passé dans ma vie à ce moment-là. Fait regarde, l'idée c'est que. Euh, j'étais très, très, très jeune. J'étais très petit moi quand j'étais jeune. Je faisais des sports d'équipe. J'étais très bon, mais en même temps, j'étais juste comme. J'étais très petit. Je me rappelle, on me prenait des, des, des. gros livres là, dans les. dans le, 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 on, le school bus, là, le fucking uh, Autobus scolaire. Puis comme on pétait ça sur la tête, tu sais, comme j'en perdais connaissance. Je ah vais toujours me rappeler qu'à un moment donné, la journée que j'ai tilté, là, que j'ai fait comme l'ostacé c'est que je vais toujours me rappeler d'un hiver, les gars, durant la récréation du lunch, la gang me pognait toujours la tête, puis elle allait me péter ça sur comme la croûte de glace. Tu sais, quand que la charrue passe dans la, mm -hmm. la cour arrière, puis tu comme les, les étages de neige. Puis après ça, selon la tempête de neige qu'il y a eu, tu comme la croûte de glace, neige, croûte de glace, là, comme une espèce de millefeuille. Puis <laughs> ils venait me péter le front là-dessus, puis tu sais, ah, ben, ben. comme dans le film euh, Irréversible, là, avec le le... Tu En tout l'extincteur. À chaque fois que j'enlevais ma tête, là, tu voyais plus de sang. Je me comme «Fuck, qu'est-ce qui se passe Puis à un moment donné, je tombais inconscient puis je vais toujours me rappeler que j'avais une um, June qui était une, une genre d'intervenante. Même dans un milieu comme scolaire primaire, c'était que, vraiment quelque chose. Elle m'a dit... Check, je pourrais perdre ma job. Là, j'étais comme... en troisième année, là. Okay? trois, quatrième année. Elle a dit Je pourrais perdre ma job en disant ça, mais je vais... là, ça fait comme six fois que je te vois cette semaine avec ton bandage, là. un nouveau bandage à tous les jours. À un moment donné, si tu. If you don't fight back, si tu. Non, oui, si tu répliques pas. Si, si tu répliques pas, pas, si tu te défends pas, ils arrêteront jamais, tu Puis moi, c'est la première fois que quelqu'un me donnait la permission de me défendre ou quoi ouais. que ce soit. T t en parent... parlais -tu à la maison? J'en parlais pas à la maison, ben non, non. Mais tes parents qui te voient arriver ma tu sais. Moi, j'étais très renfermé vers moi. J'étais très gêné quand j'étais jeune, tu sais. Fait que, euh, ils posaient les questions. Ma mère était très... C'était comme une lionne, là, t'sais. Fait Elle tu sais. Fait qu'elle allait elle-même à l'école poser des questions, exiger des réponses. Puis comme, elle avait t'sais, elle avait des réponses, mais comme, veut veux pas, ça arrivait quand même. Fait que je vais toujours me rappeler que ma... Ma... mon moyen de me sortir de là, c'est que... Je savais que je m'en allais dans mon cours de, de géométrie, puis je sors mon compas avec le, le petit pic, là. Okay. Puis je le sors, puis je le sers comme du monde. Là. Puis euh, juste te montrer à quel point j'étais « irrelevant », j'étais vraiment à rien, tu à ce moment-là. Il y a personne qui s'occupait de moi, y a personne qui... « Nobody cared », tu sais. J'ouvre la porte, puis euh, le, le leader du groupe ça s'assoit toujours comme en arrière de moi, of course, pour mal faire. Puis euh, j'arrive, puis comme je tampe ça en arrière du cou, là, ça sais, comme... Comme dans les films, là. Puis ça a pris le temps que je vais m'asseoir comme juste en face. Le cri, là, striage je l'ai encore comme en dedans de moule, Ça me fait lever les, le poil sur les bras, tu sais. En dedans de 15 minutes, j'étais sorti de l'école, la police était là, tu sais. Mais pour moi, ça, c'était le 180 que j'avais besoin. C'était le move pour comme... Euh, une espèce de choc électrique, tu ouais. Parce que sinon, je pense, que ça aurait jamais arrêté, tu ça a, ça a été comme un gros moment de ma vie, ça. Puis après ça, ben là, je suis allé dans une polyvalente de comme 1200 élèves en français. je partais d'une école privée de 250, 300 élèves anglophones. T'sais. Tu pars de, 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 de t'être fait boulier à, à répétition à t'être défendu peut-être un peu à l'extrême, là. De, 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 oui. Vraiment. De, pis, évidemment, c'est ça qui a causé que c'est toi qui s'est fait mettre dehors, mais comment tu te sens, tu sais, de. C'est toi qui te fais mettre dehors. Tu es en réaction par rapport à quelque chose que tu subis. Je te dirais, je pense que j'avais... Je pense que c'était comme un cri à l'aide. Ouais. Tu sais, la réaction tellement intense comme ça, c'était définitivement un cri à l'aide. Tu sais, je voulais, ultimement, je pense que je voulais sortir de ce milieu-là. Peu importe, là. tu sais, je, con... je suis quand même content que ça ne soit pas été plus grave. Mmh. Tu sais, que j'avais pas... Je pense que c'était quand même un gros move, là, mais comme je suis content que ça se soit arrêté là. Euh, mais secrètement, c'est sûr que je voulais comme sortir de là. Fait que j'étais vraiment content de m'être fait euh, expulser de l'école. Ouais. Puis euh, je te dirais que c'est là que j'ai vraiment découvert qui j'étais quand je suis allé comme dans une école où c'est que j'étais un nobody. J'étais vraiment... il n'y a personne qui me connaissait. là. Dans le milieu scolaire nouveau francophone, départ. nouveau départ, nouveaux amis. C'est là que j'ai commencé à faire plein de théâtre, plein de comédie musicale, plein de musique. C'est là que je me suis comme redécouvert, tout en faisant du sport quand mm -hmm. même. Mais euh, au moins, je n'étais pas en train de, de survivre à chaque jour. Ouais. Je vivais. tu ça que ça a fait une, une différence. Puis sûr que, parce que là, tu as l'air bien la viré, là, dans le sens où euh, tu as l'air euh, solide, tu as l'air stable, tu as l'air nourrissant pour le monde autour de toi. C'est bon que tu as été capable de. Parce qu'il y en a qui, qui veulent mal. T'sais. Honnêtement, je sais pas qu qu'est-ce qu que je ferais maintenant si j'avais jamais sorti du milieu scolaire anglophone. Surtout à Québec, qui est très comme. Tu sais, Bob Run, mm -hmm. euh, genre Black Sheep. Ouais. Tu comprends, je veux dire? Avec des oeillets, là. C'est très de même, puis comme tu t'en vas vers là, tu t'en vas en Or et Lettres, à Saint-Laurent. Ouais. Tu comprends je veux dire? Ouais, ouais. Tout le monde dans le même package. Après ça, c'était chanceux, peut-être que tu t'en vas à McGill ou Concordia en, en journalisme. J'ai rien contre ça, là, mais tu c'est le parcours de ma sœur par exemple, ouais. qui, euh, qui a fait ça. Comme... T'as plus... Euh, je trouve que t'as le volet... Je m'identifie <laughs> à toi. T'as le volet sportif euh, et artiste. Mm. Le volet créatif que, que, clairement, tu sors à travers tes... Tes projets d'entrepreneuriat, tes restos, ta, ta musique, mais, euh, mais c'est le fun. C'est le fun que tu es bien viré. Tu as, euh, as gagné des points à ta barouette dans, dans Sortez-moi d'ici. En tout cas, je ne sais pas si tu le ressens, l'effet, mais il y a un des noms qui, euh, qui véhiculait le, le plus. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup la télé. J'ai écouté une couple d'épisodes, mais ce qui ressortait, c'était ton, ton leadership, ton. Euh, Comment dire, ton, euh, ta façon de prendre soin des gens autour de, de toi puis de t'assurer de, 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 de l'harmonie. Euh, Peux-tu me parler de cette expérience-là? Puis mm. d'un, comment tu l'as vécu? puisque que ça t'a amené? Ouais. Moi, je veux dire, euh, l'expérience le, de Sortez-moi d'ici, c'est ma deuxième expérience de télé-réalité, de survie, si on veut. Tu es le chef de bois euh, chef que tu as remporté en, remporté, en ouais. La première saison. Je te dirais que c'est quand même semblable. Une chance que, que j'avais fait euh, chef de bois avant, parce que euh, je pense que j'aurais réagi différemment à sortez-moi d'ici, puis je m'explique. Euh, moi, mettons, c'était deux expériences complètement différentes. T'sais, chef de bois, il fallait que je performe professionnellement pendant 18 jours devant mes pères, les meilleurs du Québec. Il fallait que je, je sois le meilleur chef à tous les jours. Avec la faim, la soif, la fatigue, la peur. Puis comme ça, c'était ça. C'était très professionnel. fallait que je sois le meilleur chef au Québec dans le bois. Sortez-moi d'ici, c'était plus que 18 jours aussi, trois semaines, avec 10 personnes que tu connais pas, que tu n'as pas choisi, mettons, d'être avec. Ouais. Euh, mais t'as pas besoin d'être littéralement bon dans rien. Tu es là pour vaincre tes plus grandes peurs tout puis moi j'aurais dû mentir. J'aurais dû dire que mettons, j'avais peur, je sais pas moi du vin rouge. Euh, <laughs> genre, tu comprends des, des bonnes soirées de chum puis des couchers de soleil là, genre en pick-up, des jasettes ah, autour du feu. Tu là, comprends ça, ça, ça. Non, fait que j'étais comme j'étais très honnête, je pense que je voulais le vivre à 100 fait que j'ai dit j'avais peur des serpents, j'étais vraiment claustrophobe puis j'étais pas un grand fan des hauteurs, tu sais. Puis ben, j ils ont coché toutes les, les cases ouais. euh, Fait que tu sais, je te dirais que c'était c'était vraiment deux expériences complètement différentes. Moi aussi, que je me retrouve là-dedans. C'était dans mon leadership naturel. Je me, re, je me sens tellement bien là-dedans. Puis euh, c'est pas fourni. Je, je sais que j'ai pas besoin de, de l'expliquer ou de... Mais c'est tellement naturel chez moi. Puis... C'est là que je me sens le, le mieux dans la vie. C'est quand j'entraide, puis quand j'aide les gens autour de moi qui... C'est pas, pas qu'ils sont pas capables de le faire, whatever. C'est juste, peut-être qu'ils demandent à rien non plus. C'est juste que moi, je suis le genre de gars qui va t'appeler six fois par jour, pas pour savoir comment tu vas, juste pour entendre ta voix. T'sais. Mm -hmm. Parce que je t'aime. Parce que whatever. Parce que j'ai rien d'autre à faire. Parce que c'est pas grave. Tu comprends? Je veux dire, ah, c'est vraiment pas grave. Là. Au pire, tu me dis euh, « Hey, j'ai d'autres choses à faire », mais c'est correct. Je te rappelle dans, quand, quand que je veux. Je m'en ouais. fous. Mais moi, je suis une même. C'est comme je suis un, un people person. J'ai besoin de mes chums, j'ai besoin de ma famille, j'ai besoin du monde. Fait que tu me dis que euh, tu me mets autour de 10 personnes que je connais pas, c'est pas grave, ça au moins, j'étais avec du monde. Ouais. Tu me dis que là, tu me dropes trois semaines dans le jungle tout seul, c'est un autre défi. Honnêtement, là, les, les journées où c'est que euh, tu faisais pas de défi à sortir moi d'ici, puis que tu te retrouvais comme deux, trois dans le camp tout seul, je trouvais le temps long en tabarouette. Parce que là, tu partais de, mettons, je sais pas moi, potentiellement, huit personnes que... Déjà, là, à sortir moi d'ici, pas tout le monde qui s'entendait bien, parce que on est tous vraiment différents. Mm -hmm. C'est pas qu'on est on des bonnes ou des mauvaises personnes, c'est juste... On n'a juste pas, la même... on a pas les mêmes intérêts, ah, on n'a oui. pas le même âge ou whatever, tu sais. Mais mettons, tu pars du pourcentage qui est plus grand, puis là, tu viens raccourcir ça à comme on est deux ou trois dans la rivière et comme, fuck, la journée va être longue, tu sais. Oui. En plus, au moins, si on pouvait manger un bol de céréales, puis on met un sac de chips, ça serait cool, mais comme, fuck out. Fait que ça, je trouvais le temps vraiment long à, à sortir moi d'ici parce que... T'attendais, tu sais, t'attendais beaucoup à aller faire des défis euh, pour remporter des étoiles, pour l'équipe, mais à part ça, euh, c'était long. T'sais, pour moi, ça, c'était mon plus gros challenge à sortir des C'était pas de virer fou ici, là, t'sais. Ouais. vraiment. Ça a-tu fini par être un peu thérapeutique pour toi, dans le sens où le referais-tu ou encouragerais-tu des gens à le faire? Mmh, ça n'a pas été thérapeutique euh, vraiment. Euh, ça, pff, moi, c'est quand même quasiment l'inverse. À un moment donné, je suis très honnête avec toi. Là, t'sais, souvent, les gens me posent ça comme question. Ils sont comme oh, ça a dû tellement être thérapeutique de faire sortez-moi d'ici parce que tu es, es, es dépourvu de. T'sais... Encore une fois, si j'avais pas vécu ça à chef de bois, chef de bois c'était thérapeutique en sacrament. Ouais. Okay? Parce que c'est la première fois que je le, vi je le vivais, donc j'avais aucun. Je te dirais background, j'avais aucun comme souvenir. Tu pas fait d'attente. Euh, oui. Aucune attente. tu sais. Puis en même temps, c'était très tangible. Là. On se réveillait à 7 h le matin, puis on shootait jusqu'à 11 h le soir. Puis c'était comme go, 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 chef de bois. Là. Ça, Ça arrêtait bouge. pas. Là. Je dormais même avant que ma tête touche mon oreiller de feuilles. Fait que, euh, non, mais sortez-moi d'ici, c'était juste comme. Des longs temps d'attente, comme n'importe quel show de télé. Puis en même temps, tu te chaud, il y a des buts partout. Tu as des tarantules grosses comme un ballon de basket sur le chest. Ah, tabarnak! tu viens eu une tarantule ah, sur le chest Ah, ouais. Ils l'ont pas, pas montré, mais euh, ça, c'est bizarre. Mais je me rappelle, j'étais comme sur le dos, je dors, j'ai aucune notion du temps, là, mais j'ai comme une tarantule sur le chest, je dors sur le dos. La nuit, ça Ah, oh, ouais. Tu sais, il y a des lumières partout, fait que. Puis ça, ça filme 24h sur 24. Puis là, je suis je rêve. Puis là, je suis comme, c'est bizarre. C'est quand même plate de rêver à une tarantule, Tu sais, comme, rêve à autre chose. Là, si Let's go. Finalement, <laughs> elle commence à grimper. Tu sais, comme, je sens les pattes physiques sur moi. là, Tu sais, je suis comme, fuck, c'est pas Là, j'ouvre l'œil. Puis oui, et là, le, tu sais, le réflexe d'un homme, c'est de la taper. Puis là, là t'en vois partir. Là, je suis comme, je me relève sur mon, sur mon lit. Je suis comme, Là, ça y en me pique partout, je ouais, comme qu'est-ce qui se passe ici et c'est ça <laughs> c'est ça. ça donc euh, elle était elle était vraie elle était grosse c'était comme un... Le... c'était comme un oh, oui. c'est à mort là tu... es... ben je sais pas regarde rendu là là je veux dire, la première soirée qu'on est arrivé là on a vu un fer de lance qui est comme je... tu sais apparently là, euh, les professionnels nous disent que c'est comme un des serpents les plus vénéneux euh, à l'ouest de Shanghai, mettons, là, cool. tu comprends? Puis c'est comme littéralement à trois pieds de mon lit qui est genre à ça du sol. Je suis comme, ok, c'est vraiment cool votre affaire, les gars. Pis, Puis mon net, il est où, by the way? Ah, il n'y a pas de net. Tu sais, c'est comme, ok, la cage à poule en dessous de mon lit. Non, rien. Fantastique. Ça va être vraiment le fun, ça. Mais il n'y a pas un volet. Euh... Dans le sens, il n'y a pas de. <laughs> il faut qu'il assure quand même votre sécurité, tu sais, dans le sens où. Ah ben non, c'est sûr. Fait que, mais. <laughs> non, mais tu sais, c'est sûr. Mais comment qu'il faisait? Mais il y avait des. Euh... <laughs> on se sentait très en sécurité. ok, Ça, c'est sûr et certain. Euh, par contre, la vie est ainsi faite que... Je veux dire, ah, une, fucking jungle, tu, tu comprends, je veux dire, si une tarantule veut, veut, euh, veut vivre une espèce de tyrolienne sur sa... Tu comprends, je veux dire, elle va y aller, là, elle s'en fout là, de, tu sais, du ranger euh, Paul. Il y, y avait du monde qui était engagé pour littéralement circuler le périmètre 24-7 pour comme justement attraper les serpents avant qu'ils viennent... Proche, mais il y en avait en tabarouette. Tu sais, à la fin, là, euh, quand t'es éliminé, là, tu peux poser plein de questions, puis là, tu ils répondent. Puis ils sont comme, by, by the way, là, en moyenne, on en pognait 7, 8 serpents par jour. Juste, tu sais, comme littéralement dans votre quadrilatère, là. je suis comme, ils sont comme, vous êtes chanceux, je suis comme, chanceux, chanceux. Je suis comme, vous autres, vous êtes chanceux. <laughs> vous je me... nous avez Je suis comme, tout est es chanceux que je me suis pas fait mort si mon avocat est, est là-dessus en tabarouette, <laughs> mais. Euh, non, non, on se sent en sécurité là, 100%. Là. que je peux pas m'empêcher, pan... je t'écoute parler de <laughs> ça, puis je me dis... Tu sais, des fois, je tu te projettes. Je, 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 je suis encore un ado, des fois, dans, dans, dans mes réflexions, mais je me dis, ça, si on me dompe, je me retrouve perdu en jungle, tout seul, pendant quelques nuits, quelques jours, une semaine ou deux. J'ai-tu des chances de survie? Mm. Comme là, c'était tout seul dans, dans ce coin-là, là, puis ça. que... Je veux il n'y a pas de Ranger Paul pour, euh, pour empêcher les serpent Oublie ça. Tu te fais snapper. Non, 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 mais tu comprends pas, là. C'est. Tu sais, on sait qu'à ce jour qu'il y a des coins d'Amazonie qui sont tellement denses, tellement humides, que qu a jamais personne deux qui a mis le pied là. Ah, fait que t'es fait. Non, ouais, c'est 100%. 100%. Puis, en fait, c'est. Je vais je vais te donner un exemple, là. là. on parle de serpents, puis tu sais, les gros trucs qui sont comme qui sont euh, définitivement... On le sait que c'est comme... Si tu te fais pogner par ça, ça, ça va être moins le fun, tu sais. Mais là, je te parle des de affaires qu'on voit qui sont gros. François Marquis, le docteur François Marquis, à un moment donné, euh, vers la fin du, du show, on était lui puis moi, pour on prenait une sieste dans notre dans nos nouveaux hamacs, qui se sont fucking présentés à... genre un mardi après-midi. On se réveille après une heure, puis lui, il se réveille comme quasiment en hurlant, il dit "man, check mon bras". Il y avait là sur son bras, tu sais le bras, tout ça ici c'était comme bourgogne mauve, puis dans le milieu tu avais comme une piqûre. Une piqûre claire, très tangible, définitivement d'un bullet ant, donc une, une fourmi bullet là, genre qui est comme une des trois variétés de fourmis les plus pas dangereuses mais comme qui font mal quand ils mordent. Là. Il dit, je suis comme OK, mais on appelle-tu du monde. Il dit, honnêtement, oui. On va appeler comme les deux médecins qui sont là, comme vraiment. Tu sais, encore une fois, quand, quand tu me dis tu sentais-tu en sécurité 100%? Fait que les gars arrivent, ils sont comme OK, this is Bullet Ant. T'es comme OK, merci les gars. Comme. T'es qui toi? T'sais? Comment tu sais ça? Il est comme Ben, c'est parce que je suis l'expert. Je suis comme OK, parfait. Uh, as you were, t'sais. Il dit, euh, François, il dit Garde, j'ai l'impression de me faire. Frappé par un bat de baseball, mais constamment sur chaque pulsion de mon cœur. Fait qu'à chaque fois que ton cœur bat, là, il, il dit ça fait mal de même. Ça une fait de mal de même pendant même. Ouais, une morsure. Il dit ça fait mal de même pendant comme 24 heures. Il capotait. Là. Fait que tu sais, non. non, 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 la, la jungle, c'est non. non. <laughs> Oublie ça, là. T'imagines? T'en as six sur toi. Imagine, il monte genre, pendant que tu dors. Mais c'est que dans le jour, je me dis. T'essaies de un de trouver un endroit. Un espèce de path. Un, un, un chemin où t'as pas trop à, à mettre les pieds dans des... des endroits que t'arrives pas à voir. Fait que Mais la nuit, faut que tu. Faut que tu te reposes. Faut que tu. Faut que tu dormes. Faut... Tu vois pas. Ah non. Tu peux... En fait, euh, je vais même te, Je vais même aller plus loin. La nuit, c'est même pas... Euh... C'est même pas la peur ou l'appréhension de te faire mordre ou te tuer par un puma, avec une tête grosse dans le même C'est plus le son. Le son qui est striant. Là, t'sais, des cigales, là, dans la vie, là, ça, ça voit jamais la lumière du jour. Okay? Sauf une fois dans leur vie, c'est pour aller féconder, faire l'amour avec l'autre. Une fois dans leur vie, puis là, c'est là qu'ils sortent. Puis c'est là qu'ils crient. Là, comme l'espèce le, mm. de... Ça, ça va durer comme une coupe d'heures. Ils vont faire l'acte, le coït. Pis après ça, ils vont crever à l'envers. C'est gros de même. Tu comprends? Tu marches, là. Puis c'est comme marcher sur des chips. C'est fou, raide, là. Mais ça, là, c'est un, un bruit que tu peux pas. Tu sais, je peux pas te l'expliquer. Ah ouais. faudrait que tu sur YouTube pour faire comme, bon, bruit de cigale, genre rapproché. C'est. Est-ce euh, euh, Est que ça t'empêche d'entendre les autres? Bruits? 100 Ben oui, absolument. Ou, Ou les autres, même. Point, je comme quoi? Ah ouais, OK, c'est aussi comme ça. Ah non, il fallait qu'on te parle de même, les fois. Tabarnak. Ah non, c'est extraordinaire. Pendant <laughs> que t'as une orgie tigale. Oui, c'est... T'es-tu... Tu euh, sais, les premières nuits, en hyper-vigilance... Euh, hey, moi, je me réveille la nuit pour aller pisser, là. Tu comprends? Fait que là, j'aurais l'impression que... Ouais. Euh, Peut-être que je me retiendrais. Je dirais... Euh, euh, définitivement. Euh, <laughs> moi, mettons... Euh tu sais quand que je dors faut toujours j'aille faire pipi en plein milieu de la nuit ça c'est ah ouais. steady là fait que là dans la jungle j'étais pas comme pour arrêter ça tu sais je veux mm -hmm. dire faut t'y faut y aller, sinon je dors pas tu fait que là tu te lèves dans le milieu de la jungle là, dans le milieu de la nuit tu te regardes là, autour de toi le feu il va pas payer tu faut mets une bûche qu faut que tu te le sors ouais euh... mais attends peu là là moi je peux pas dormir avec mes bottes là ok des grosses bottes là fait que là t'enlèves tes bottes mais là tu te fais dire que si tu peux pas mettre tes bottes à terre parce que les scorpions vont monter dedans. Cool. Parce qu'ils il adorent les souliers, t'sais. Ah, okay. Fait que là, il faut que tu gardes comme à ce. du sol. Fait que tes attaches, là, tu les mets sur le bord de ton lit. Mais là, tu es comme en boxeur. Fait que tu dis, là, mettons, je suis safe en boxeur. Sûrement. Là, tu es en chest. Tu te dis, bon, regarde ça, ça va être correct. Là, tu mets tes lunettes parce que là, j'ai des verres de contact ouais, dans le jungle. Christy de bon move. J'aurais dû aller me faire opérer. Comme tu, tu vois le genre, là, les mains pleines de, plein de jungle. Là, à chaque jour, essayer de mettre tes verres de contact. Pire idée au monde. Puis là, euh, tu as le projet d'aller faire pipi. Mais là, en même temps, tu n'as pas comme aller pisser sur le bord du camp, parce qu'il paraît que ça attire beaucoup de, comme, de différents animaux. Fait que là, il faut être dans l'espèce de outhouse, l'espèce de, de bivouac de Bécosse qu'ils nous ont construite, qui est comme un bon 30 mètres d'engin. Puis là, pour une raison ou une autre, la production, ils voulaient tamiser les lumières le soir, peut-être pour sauver de l'argent euh, <laughs> sur le coup de production. Mauvaise idée. Et là, tu te dis « fuck, il faut que j'aille vraiment là-dedans, là ». Là, là. Puis euh, là, tu oublies ta lampe frontale parce que c'était un épais. Là, tu te dis, fait que là, maintenant, je vois, fuck all. Là, je marche dans un, un corridor où c'est que tout pourrait arriver, tu peux avoir comme des serpents, tu les pourrais scorpions avoir des... Des... n'importe quoi, honnêtement. Là. Puis là, tu tes bottes, tu sais pas si les scorpions sont en, en... en parapente <laughs> sur le top de tes lacets. Tu comprends? Ils attendent juste comme de flipper à l'envers. De... Tu comprends? Il y a beaucoup d'affaires qui se passent dans ta tête pendant que tu vas pisser. Euh la nuit, au Costa Rica, mais... Euh, on... J'ai aucun <laughs> fun à t'écouter, mon Tu jeu. comprends, je veux dire, c'est... Comment tu te rendors, après, dans le sens parce que... Non, mais tu te rendors pas. C'est pas la petite marche euh, t'attends tu, tu, tu te forces à rester endormi, puis tu tu te rendors en revenant, là. Je te dirais que l'idéal, c'est que tu, tu fasses ça, tu t'ailles pisser vers comme 5h, 5h30, parce que le soleil se lève vers 6, il te restes une demi-heure, mettons, à tourner dans ton lit, ouais. après, si ça arrive vers comme 1h du matin, t'es un peu dans le marde. Tu comprends, je veux dire? <laughs> C'est moi le fun. barouette, mon gars, t'es meilleur ah, que moi. J'ai chaud d'un coup, là. Fuck. C c Ça me ramène en arrière. Puis, c'était quoi la meilleure partie d'avoir <laughs> participé à cette émission-là? Fais-toi qu'on flippe, là. Honnêtement, les meilleures parties, parce qu'il n'y a pas juste. Il euh, y en a plusieurs, tu sais. Je te dirais que je t'ai parlé tantôt de, de te faire confronter à neuf autres personnalités que mais ben neuf autres personnes euh, que t'as pas choisies fait que ça c'est mon plus gros challenge quand j'embarque dans un défi de même parce que j'étais je suis un, oui je suis un gars d'équipe mais en même temps ça me prend un petit temps à saisir tout le monde pour être capable d'être la meilleure version de moi-même mm -hmm. avec les autres ok fait que ça je trouve ça toujours plus difficile puis ça me prend juste comme plus de patience pour être capable de vraiment bien gager comment moi je dois être avec chacune des différentes personnes mais une fois que ça c'est fait euh, à date, les deux expériences que j'ai vécues chef de bois et sortez-moi d'ici les deux premières saisons, euh, ça a été euh, des amis pour la vie, tu maintenant, mm -hmm. on, a, on a des groupes Facebook, on a des groupes, on se texte à tous les jours, wow. c'est quand même weird. Fait que, euh, ils viennent tous à mon resto, euh, c'est vraiment le fun, on se voit tout le temps. Ouais. Fait que, je te dirais que les rencontres, c'est vraiment les rencontres inorthodoxes, tu je veux dire, euh, du monde que j'aurais jamais cru... Être, euh, être aussi comme intéressé envers du monde qui sont, on est rendu vraiment tissé serré. Ouais. Moi et François Marquis, on, encore hier, il m'a envoyé une photo de son steak et ses huîtres pour la 40 à sa femme. Je <laughs> suis comme malade. <j> J'arrive. <laughs> Mais c'est cool, ça. Tu as raison. Des fois, si on n'embarque pas dans ces espèces de, de, de folies-là ou de, de, de projets-là, euh, tu vas rester dans le même pattern de rencontrer des gens qui te ressemblent. C'est toujours un peu le même genre de monde qui va graviter. Ça, ça te permet de, un, de te challenger. C'est pas obligé de devenir des amis non plus, mais pendant un bout de temps, tu as, as vécu des conversations qui sont différentes, qui peuvent t'amener à réfléchir à tes affaires. Tu sais, as l'air, euh, je te dis tantôt, tu sais, tu as l'air grounded, tu as l'air à, à t'épanouir, tu as l'air à savoir t'es qui, mais tu as l'air aussi très euh, euh, en contact avec. Tes émotions. Puis je, je, je me dirige vers une question au niveau de la santé mentale. Mm -hmm. comment, là, tu es va au chalet, décrocher une coupe de ouais. jours. Qu'est-ce qu que tu fais quand ça brasse un peu quoi, Y a-tu euh, peut-être un truc que tu peux partager Puis peut-être que les gens qui nous écoutent vont, vont s'en inspirer. Moi, je te dirais, euh, ça. je dis pas que ça va mieux qu'un autre. Je dis pas que ça va mieux que d'autres moments dans ma vie. Je te dirais en ce moment, ce qui est le plus important, c'est d'avoir un balan. Un balan euh, travail. Puis, quand je te parle de travail, là, ça commence à y aller au toast, en bon québécois, euh, dans ma vie. Le, le restaurant ou la restauration, ça représente à peu près 30 à 40 de ma vie professionnelle maintenant. Et la télé, c'est l'autre moitié. Mm -hmm. Fait que c'est énorme. Là, Ma, ma, ma vie est, est comme chamboulée en ce moment. Fait que c'est important. Puis, tu sais, mes, mes horaires sont vraiment plus pareils. En fait, j'ai comme. J'ai plus d'horaires. Tu sais, je travaille, je travaille, je travaille. Puis, à un moment donné, quand je travaille pas, ben, je prends du temps off. Tu comprends? Oui. Puis, comme. À un moment donné, je travaille. Puis, à un moment donné, genre, j'ai plus de temps off. Puis. Tu arrives à décrocher dans ton temps off? Ah, ben, 100 En fait, c'est ça que. C'est ça dont je suis le plus fier. Puis, c'est là que je t'amène, c'est que moi, je un. Je suis vraiment pas un matérialiste, mais ce que je vais te dire, c'est tout l'inverse. Euh, j'ai comme. Euh, on dirait que je suis comme en midlife crisis. <laughs> J'aime ça. Euh, j'ai commencé à, à m'acheter plein de jouets. Okay? OK? Comme des affaires que j'ai jamais. Penser faire. J'ai toujours travaillé vraiment, vraiment fort, puis je me suis jamais permis d'aller jouer au golf, genre, de comme, commencer le tennis. Mm -hmm. Là, je prends des cours de perfectionnement dans, dans ces affaires-là, dans le golf, dans le tennis. Je me suis acheté, comme, je faire ma licence de chasse pour comme, pouvoir aller à la chasse avec mes chums qui font ça depuis qu'ils ont cinq ans. Mm -hmm. Mais on en parle depuis des années, puis je suis comme, ah, tu es encore allé à la chasse à l'orignal avec ton père. Je suis comme, cool! Puis, puis, moi là-dedans, je suis comme, ah, je peux pas, jamais j'aurais le temps de la chasse. Ouais. Là, c'est comme, j'ai deux 12. Tu comprends, je veux dire, j'adore ça. J'étais un grand pêcheur. Bien, comme, je me suis marié euh, cette année, mais on est allé comme en pêche en haute mer avec mes chums de gars pour mon enterrement de vie de garçon. En Floride? On... Euh... Non, genre à Portland, dans le Maine, okay, c'était quand nice. débile. Mais là, on y va comme au mois à cette heure, tellement qu'on aimait ça. Ouais. Tu comprends, je veux dire? moi là mais tu ben mes te temps te de vivre, off t'sais. là mes temps off c'est pas juste genre d'aller mettons c'est pas juste d'écouter un film j'ai besoin de plus de ça, ouais. plus qu'à ça j'ai besoin de revenir puis de pas être mettons euh, comment je peux dire ça mais t'as besoin de faire quelque chose moi je peux pas revenir pour faire comme oh, c'est que je me sens reposé tu je suis comme non j'ai besoin de revenir et faire comme hey j'ai fait ça puis ça puis ça mais ben, ça a été complètement différent de mon quotidien parce que je peux pas je peux pas juste genre M'installer sur une chaise berçante, puis comme checker le lac vive. Tu comprends, je veux dire? Avec le. le... Tu comprends? Faire comme. Ah, si la vie est belle, finalement. Oublie ça, là. J'ai besoin de tirer du 12 dans le lac, tu sais? C'est. Let's go! Ou frapper des balles de gomme. Ah non, non, oublie ça, tu sais? Fait que c'est. Moi, pour ça c'est là que je m'épanouis puis c'est là que je décroche c'est quand que comme là là tu sais que ça là, je, 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 je t'habille en chalet ça ah brasse ouais. là tu sais c'est la définition de coolness ah ouais là. je m'en vais au chalet ici, là, je m'en de... justement je m'en vais tirer du douce on a des euh, des pocs biodégradables c'est comme la la nourriture pour les poissons ça va tirer une poche au complet ah ça a été question c'est dans mais dans, dans <laughs> trois heures mais euh... <laughs> mais t'as raison moi aussi j'ai moi j'ai de la misère à décrocher puis c'est ça mon problème j'ai plein de beaux beaux projets puis c'est que les projets sont liés à ma, à ma passion. Fait que dans le fond, tu travailles, mais tu t'épanouis aussi en même temps. T'as l'impression fa... Mais c'est facile de tomber dans ce pattern-là. Puis moi, le, le moyen que j'ai trouvé pour être capable d'arrêter puis d'écrocher, puis des fois, regarder le lac juste euh, vivre, ouais. c'est de fumer un cigare. Ouais. Tu sais, je sais que c'est pas bon pour la santé. Mais Colin, ça me fait du bien, puis ça me force à m'arrêter. Tu sais, si tu... Euh... Les gens qui fument de la cigarette, euh, tu peux passer à tondeuse en fumant la cigarette. Tu peux pas faire ça. En fumant un cigare, tu il mm -hmm. faut que tu t'installes. Mais d'être bouqué des activités que tu qui n'ont rien à voir avec ton travail, mm -hmm. ça te permet de rester dans, dans l'action, puis ça te fait du bien psychologiquement pareil, même si physiquement, tu continues peut-être à, à tirer à chandelle. Euh... Puis cest du quoi, en fait? Euh, tu parles de cigares. moi aussi, c'est comme une nouvelle passion de cette année, mettons. Puis euh, en fait, c'est aussi juste de s'intéresser. Le fait de s'intéresser à autre chose, surtout moi, mettons, mon travail est tellement ben toi aussi, tu sais, quand, quand tu jouais au foot, là, tu faisais que ça. Que ça. Puis il fallait que tu fasses que ça pour être le meilleur. Mais, mm -hmm. ben tu sais, moi, mettons... Peut-être plus autant maintenant, mais quand j'étais plus jeune, je voulais être le meilleur chef au monde. Puis pour ce faire, il fallait que je fasse juste ça. Il faut que tu sois obsédé. Dans mon temps off, il fallait que je pense aussi à ça. Fait que j'ai toujours juste fait ça. Tu sais, de, de même faire autre chose, de penser à autre chose que ça maintenant dans mon temps off, ça c'est libérateur. Que ça, soit n'importe quoi. Puis t'sais. de là, le, la, la difficulté avec trouver l'équilibre, parce que j'ai jamais été équilibré. J'ai jamais eu une balance euh, work-life-family. Puis ça m'a amené à des, à des bons endroits. Puis là, du jour au lendemain, je suis posé à être quelqu'un d'équilibré. Moi, je me suis perdu là-dedans. J'ai consommé. Puis c'était le high que je retrouvais sur le terrain avec la, la table dans le dos, 100 000 personnes qui applaudissent. Mm. Ben là, je le trouvais dans, dans l'alcool et dans la coke. T'sais. Puis oh, c'est pas ça. Fait que moi, c'est du SRR. Je t'avoue que moi, j'ai eu 40 ans cette année. Je suis un petit peu plus fatigué mm. que j'étais à 35, 30, 25 ans. fait que Ça ça me force à avoir un petit peu plus de balance. Quoique je suis encore totalement déséquilibré, <laughs> mais je me connais assez à cette heure pour faire comme OK, ça, je peux être déséquilibré là-dedans, puis ça, je me ferai pas mal, puis je ne nuirai pas à personne. Mm. J'évite certaines ouais. situations. Je suis d'accord. Mais le, le petit cigare demeure euh, le petit vice qui, qui reste euh, thérapeutique. Jean-Michel, euh, en terminant. T'as-tu des plugs? C'est déjà fini. Hey! On peut-tu ah, peut repartir pour une deuxième heure? Mais <laughs> il ben, va falloir que tu reviennes. C'est vraiment, vraiment, cool. vraiment cool de te jaser, mon gars. Puis, euh, beaucoup d'admiration pour, euh, pour le leadership que, que t'as. Puis euh, ce que tu fais avec ton resto et tes projets. Merci. Puis euh, y a tu de quoi qu'on qu peut plugger, là? comme tu vois? Moi, j'ai mon atypique, mais m'en fait partout. Là. On se gêne oh, pas, oh. c'est C'est un show shameless plug. Ici. Regarde. Um... Mon restaurant, le cabinet avec un cas, qui est ouais. situé euh, sur le Maryland, est ouvert euh, six jours semaine. C'est un restaurant tous les jours sauf le lundi. Sauf le lundi, exact. Euh, qui est vraiment joint à notre club aussi, qui est le Datcha, qui est une grande institution montréalaise du monde de la boîte de nuit, okay. avec des grands DJ internationaux, house, tout ça. Fait nice. qu'on a le Datcha puis le cabinet. Juste à côté Connect... un de l'autre. Fait um, que tu peux te bouquer un souper un jeudi soir, puis euh, 7 heures, tu manges qu'à 9h30, puis après ça, tu traverses l'autre bar. L'idée, c'est que je veux que les gens se sentent comme s'ils mangeaient un bar ou un lobby d'hôtel à Paris en 1971, mais en même temps avec un, un espèce de service de bateau de croisière pour les adultes avertis. Tu comprends ce que je veux dire? Ta barouette. Amène tes souliers de danse. Quel mix ah, incroyable. Un ah, okay. une rechange de boxeurs. <laughs> Ça euh, fait que ça, c'est insane. Ça va super bien. Grosse terrasse avec le coucher de soleil jusqu'à 9h30. C'est vraiment pas gênant. Sinon, euh, je suis un des nouveaux collaborateurs de Secret Salé cet été. Félicitations. Merci. Ça, c'est vraiment le fun. C'est comme un euh, char vraiment de ma zone de confort parce que c'est vraiment euh, normalement pas mon style de choses à faire. Mais ils m'ont donné tellement une énorme confiance. Euh, puis Je me suis vraiment assis avec eux autres pour essayer de voir aussi c'est que. Ma place était où là-dedans? Puis on a été de trouver vraiment, comme je pense, le, le secret euh, du succès. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, j'ai vraiment. Euh, je suis très excité. Fait que ça, ça va être le une fun, bonne place, là. Ça Ça pleut de, de tout bas de côté, là. C'est bon. Ouais, vraiment. Puis euh, je pense que dans la prochaine année, euh, si tout va bien, là, je vais être capable de, de finalement vivre, je te dirais, mon rêve qui est d'animer et de coproduire propre, mes propres shows de télé un peu à la Anthony Bourdain humblement oui. euh, énorme souliers à remplir puis tu sais c'est pas pas des souliers qu'on peut remplir mais c'est un style de choisir. Ah, de le mettre de le mettre à ta sauce puis ouais. voyage ton, euh... lifestyle travel puis by the way je suis un chef c'est sûr qu'il de la bouffe tu sais mais, mais un, oui. un peu ce style là mais je pense que tu coches toutes les cases pour que ça ça se passe ton nom est bon ton image est bonne quand tu te présentes t'es sharp tu, tu fais la job puis euh, tes projets fonctionnent, fait comme année Je veux dire, un plus un. That's it, man Puis on, euh, on peut me suivre sur mes réseaux sociaux avec, à chef John Mike sur euh, TikTok, Instagram. Puis on That's peut it. te suivre aussi sur Spotify et Apple Music. <applause> John LeBlanc, John baby. John LeBlanc. Hey, avant que je te laisse aller, je dois remercier Papaz qui est euh, commanditaire de, de l'émission depuis presque le tout début, euh, qui m'aide à prendre soin de, de, de ma santé. Je te dirais plus de ma santé que de mon, euh, mon énergie pour le, le workout, parce que ça part de la digestion, du sommeil et de la santé en général. Euh, J'ai deux questions. Tu n'as pas le droit de regarder l'écran que là, parce que je fais de la lecture à vue. Okay? <laughs> euh, question numéro un. Vrai ou faux, papa est supplément et 100% canadien. Vrai? C'est vrai. Ah ouais, d'or! Ah ouais, d'or! Euh, question numéro deux. Je ne sais pas si tu es un gars qui, euh, qui prend des suppléments, que tu as l'air en, en forme euh, naturelle. Euh... Naturelle? Non. Moi, je check, check les guns là-dessus. C'est des oh guns. Non, Ça, là, c'est des guns de, de protéines. C'est ah de la Ce supplément peut jouer un rôle important dans ta santé immunitaire. Est-ce que c'est multivitamine, VG Greens? Je ne sais pas si c'est quoi, VG Greens. Non. Non. Mais tu sais, ils vendent des, des pots de protéines? mais ils vendent la poudre de légumes oh, wow. c'est comme quand tu manques dans, dans ta journée là, tes portions de légumes mais tu te prends un petit scoop de légumes ça okay. fonctionne boucle-toi pas trop l'affaire dans la demi-heure qui suit mm, quand mm, tu mm. prends ça parce que c'est là que ça te c'est bien euh, probiotiques oméga 3 huile de poisson et e euh, toutes ces réponses toutes ces réponses hein Ciao, ben Waouh. Le... Deux ouais. en deux. deux. Deux en deux. T'es une machine. Jean-Michel, merci, merci, merci. Infiniment. Je te souhaite tout le succès du monde. Puis euh, on fumera un petit cigare à mener ensemble. Merci. Merci tout le monde. Allez suivre Jean-Michel Leblanc sur euh, toutes ses plateformes et euh, allez essayer son restaurant. Moi, je vais l'essayer assurément. Puis euh, on se retrouve la semaine prochaine. Yes.